monde. Yo tout le monde, on va faire une nouvelle vidéo. On va faire une nouvelle vidéo sur Fortnite. Oh, avec mon pote Gabriel. Ouais. Ouais. Si je te prête mon père, hein, il peut te dire. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, t'enregistres. Allô, Gab. Ah. Mais pourquoi ça n'est pas de décolleter? Allô? C'est quoi? Je l'ai pas ce qu'il me... Je vais mettre un skin qui a du bleu. Mais toi, je pas crier. Disposé de cette manière, est-ce qu'on a éloigné les touches les plus utilisées? Est-ce qu'il a été créé en Allemagne? Ou encore, est-ce que les lettres de la rangée du haut sont plus faciles à voir? Non, mais pourquoi bleu, ça veut pas mettre, hein? Que ça soit C. Ouais, moi aussi. Ça reste bon sens, mais en même temps, c'est écrit en allemand, ça, tu sais, faut le savoir, puis il reste beaucoup de temps pour pouvoir lever une réponse. Ouais, je l'ai. On commence notre duo. Ah oui, mais. On va voir si on peut faire top 1. Je dirais A parce que je veux comme A, mais. Gab, est-ce que là, t'as reçu la vidéo ou quoi? Oui, on a éloigné les touches les plus utilisées, c'est le choix des bleus et rouges. Parle comme faut parce que tout le monde va t'attendre. Si on va voir tes vidéos, on va t'attendre. C'est pas mal. Parle comme faut. Gab, t'es en train de checker ma vidéo ou quoi? C'est pas efficace. Alors, on y va avec B, fabriqué en Allemagne. Ah, matin, j'ai reçu un commentaire. Est-ce qu'il y a une équipe qui fait des points ou peut-être même pas une des autres? Il y a une équipe ouais. qui fait des points. Puis j'en ai reçu un autre, j'en ai reçu un de ce que sont les mêmes que les claviers des premières machines à écrire et que la première machine à écrire a été inventée aux États-Unis. Ok, whipping. Les gars, on va whipping. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Utilisez le plus possible les unes des autres. La réponse est donc. Ah, voilà, bravo à l'équipe des bleus. L'équipe des bleus. Dans 21 jours, le Québécois finit l'école. D'abord, puis en fait, cette semaine, je vais faire beaucoup de vidéos, je pense. Tiens, là, t'as commencé l'école. Quoi? J'ai l'impression que c'est pas à cause des gens bêtes de doigts, Martin. Comment ça? Je te rappelle, la machine à écrire a été inventée en Amérique. Donc ah, ok, d'abord, j'ai pas fait le bon truc pour étendre. Voici ce que ça donnait. Et curieusement, le. D'abord, quand je vais l'envoyer, vous allez la voir. Il était en ordre alphabétique. Le problème, c'est que ça. Les gars, je suis pas du tout chaud. Comme configuration de clavier. Pourquoi? Parce que nous savons que s'il y a des personnes qui nous demandent un ami, n'hésitez pas à me demander un ami. En plus, moi, ça me dérange pas, je peux me faire. Pourquoi on l'appelle QWERTY? Pas parce que c'est un. On a fait un peu de créa avant à cause on était pas chaud. Simplement c'est la configuration. Regarde, si j'ai une petite carte. Le clavier a deux avantages majeurs. Premièrement, on a réussi à éloigner les lettres les plus utilisées. Oh mais putain, j'ai toutes mes armes mis en fer. Deuxièmement, on a réussi à répartir ces lettres. Oh niveau 184. Et ici, on évite de surutiliser une des mains. Oh, et on peut taper plus facilement à deux mains. Mon premier point de la game. Mais pourquoi est-ce que les claviers aujourd'hui, les claviers de nos ordinateurs,
le iPad, le téléphone et suite sont encore selon cette même configuration. On a fait 0 kill, mais on a fait 0 kill, puis on est venu, on est top 60. L'invention de la machine à écrire, ils se sont dit, si personne se plaint du clavier, pourquoi le changerait-on? Ça c'est premièrement. Et par la suite, lorsqu'on a pris les ordinateurs personnels, les créateurs avaient tellement peur de dérouter les gens qu'ils ont décidé de ne pas changer le clavier pour qu'au moins les gens fassent ce nouvel objet soit devant quelque chose de familier. Voilà Stéphane, tour à toi. Ouais, mais est-ce que tu peux venir m'aider, peut-être, ça arrive mieux. Alors, c'est toujours 10 à 0 pour les bleus. Et c'est vraiment une absurdité qu'on utilise encore. Ce QWERTY sur nos tablettes, alors c'est d'aucune utilité, ça sert absolument rien. Alors, non, mais c'est tout ça, cette affaire-là. On me fâche juste ça dedans. Alors, on va faire une courte pause. Et tout de suite après, on va trouver des nouvelles sur le web. Il y en a des vrais, il y en a des fausses, on te partage ça tout de suite après. Même si on est pas chaud. Alors, des piranhas géants, on peut nourrir de poissons morts comme ça sur le bord de la mer. C'est vrai ou c'est faux? On peut se nourrir de poissons morts. Une église pleine à craquer, un cœur enchanteur et une foule de ouais. On peut dire qu'il y a du monde à la messe. Il y a du monde à la messe. Les gars, j'ai sûr de faire mon deuxième kill. Mais puisqu'on n'a jamais eu autant besoin de faire le lien entre nous, on vous propose une saison fantastique. Il faudra sûrement que je fasse un truc pour s'entendre à ma vie. Oh, mais je vais prendre encore le pompe-chasse. Le pompe-chasse qui est quand même fort. Les gars, je vais prendre le pompe-chasse. Une nouvelle bouchée granola va nature. Marabara, date, arachide, pépé de chocolat et stellaire. De vrais ingrédients, de vrais aliments. Ouais, le double pompe, les gars, c'est un pompe. On veille au bien-être des gens de chez nous depuis près de 60 ans. Depuis toujours votre confort et votre vie. Les gars, on se met un peu de construit. Nous vivons aujourd'hui qui nous rapproche encore plus. Il nous rappelle que malgré la situation, la vie continue. Les gars, on n'est pas chaud là, mais on fait quand on essaie de faire top. Ouf, c'est et pas notre confort. De rester dans le confort de son chez-soi. Roy Martineau, complice de votre confort depuis 60 ans. La SADC est une société fédérale qui s'engage à protéger votre Regarde, t'as des petits champignons. Les gars. Peu importe comment vous faites vos dépôts. SADC, voyez comment on protège votre argent. Même si nous sommes à ouais, mais moi j'ai pas de snipe, sinon je mettrais des sales ballons dans leur tête. Suivre sa progression comme vous semble pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Bel air direct, l'assurance simplifiée. Salut, c'est NMO, je fais du slam et j'ai le crâne rempli de mots. On a tous des choses à dire, alors prends le temps de les écrire. Tu m'as dégagé. Oh, mon strap! Joins-toi à mes ateliers. Slam, joins-toi. Oh, y'a des mecs. Pense. Les gars, dites-moi en commentaire si vous l'entendez ou non. Parce que moi j'ai aucune idée si vous m'entendez ou non. Vous l'entendez. Oh, le canon de Slark! Oh, baby! Ouais, mais vous. J'en ai un 138. Je peux même pas t'en donner. Je peux t'en donner 108. Nous faisons tous notre part pour lutter contre la pauvreté. Si on se fait exagérer par l'alco, vous devez tout lâcher. Hein, à coup, ça va me soutenir. Puis ça me fait plaisir qu'à vous abonner. En s'appuyant sur les ondes, le Canada pourra revenir en force. Visitez canada.ca/le-coronavirus pour faire une demande d'aide financière. Ouais. Un message du gouvernement du Canada. Tu veux que je t'allume ou quoi? Oh, merci! Hey, toi, tu prends pas les pompes-chasses? On est de retour à Génial. Non, t'as pas de pompes-chasses. On est devant 10 à 0 sur les rouges. C'est le moment de vous présenter l'équipe bientôt, Martin Carlier. Pour arriver à réaliser toutes ces expériences plus incroyables les unes que les autres, il y a Viviane Delalande, notre scientifique maison, ainsi que Roberta et Geneviève, qui sont des étudiants en sciences
Voici tout de suite le premier extrait vidéo. On voit quelqu'un qui marche au fond des piscines. Je peux t'en donner les balles de film. Et tout d'un coup, on voit... je te donne des balles de film. Suspendu au-dessus du vide. Donc, nous avons comment je vais taper 3 kills au pompe chasseur. Alors, ma question... Normalement, le pompe chasseur, c'est le meilleur pompe du jeu, même s'il n'y a plus très beaucoup de personnes qui l'aiment à cause de... Le pompiasse, là, il est un peu bizarre, la forme. De tout le monde dit ça, mais moi, je l'aime. C'est pareil, il a la même force. Il est tout pareil à moi. On a déjà vu ça, là, à Dubaï. Est-ce que tu peux me donner ton harpon? Les deux équipes font des points là-dessus, mon cher Stéphane, absolument. C'est tout à fait vrai. La piscine que nous venons de vous montrer. Ça vaut pas la peine d'aller chercher un harpon. Elle est au dernier étage de cet immeuble. On parle. La piscine est au 40e étage de l'immeuble. Elle est à 150 mètres de hauteur. Il n'y a qu'une partie de la piscine qui est au-dessus du vide, donc un surplomb d'environ 2,5 mètres. Mais quand même, ce surplomb contient une quantité d'eau dont la masse doit avoisiner les 2 tonnes d'eau. Alors, pour résister à ça, qu'est-ce qu'on a? On a une plaque d'acrylique extrêmement épaisse. On parle de 14 cm d'épaisseur. Quand on sait que ça prend juste 32 mm pour stopper les balles, de 14 cm, ça retient une piscine, Stéphane. Voilà. Bravo, les équipes. Eh bien, les deux équipes ont des points, c'est 20 pour les bleus et 10 pour les rouges. On a une autre vidéo à vous présenter. Elle concerne maintenant des poissons assez voraces, Martin. Vorace, tu dis. Non, mais c'est pas de la faute, hein! À chaque fois que je ramasse une carte, toi, tu te suces tout. Donc, on est sur le bord de la mer ici, on voit ces immenses poissons. Ça se fait pas, ça! Une carcasse de poissons morts, on voit qu'il se précipite dessus et qu'il la dévore en quelques instants seulement. J'attire votre attention sur le titre ici. Ok, là, je te. Là, je vais te laisser le cul à cause de moi, quand même, j'ai 4 kills, t'as 0 kill. Alors, des piranhas géants qu'on peut nourrir de poissons morts. Ouf, je suis quand même chaud, là. C'est vrai ou c'est faux? Ben les bleus vont commencer des piranhas. Mais jamais vu autant de choses! J'ai comme un doute parce que je pense que c'est vrai que tu peux nourrir des gros poissons sur le bord et ils mangent n'importe quoi. Mais est-ce que je suis des gros piranhas géants? Je ne pense pas. Je dirais faux parce que ce ne sont pas des piranhas. C'est une question claire, Martin. Alors on pense ici avoir déjoué Martin et son piège. Cette vidéo-là, elle est tout à fait véridique. Il n'y a pas de trucage ici. C'est vraiment d'immenses poissons comme ça en bord de mer. Quand j'ai fait 4 kills, vous ne pouvez pas rire de ma gueule. Premièrement, parce que les piranhas vivent en eau douce. En plus, on vous a mis l'eau d'abord. Vous n'avez pas rire de moi. Environ 30 cm de grandeur, alors qu'ici, nous avons des poissons qui font environ 1,5 mètres. Les abonnés, on va recommencer une game. Ce poisson-là, ce n'est pas un piranha, mais c'est plutôt un autre poisson. Puis abonnez-vous. Ignobilis, donc. Bravo les ben si je l'ai tout cet été, je vais faire des vidéos DA. Prochaine vidéo, j'ai ici une histoire. D'un ma mère. Quand si je m'en fais, t'es abonné à ma chaîne. Une vidéo qu'on va vous présenter ici, mais plutôt une manchette qu'on a retrouvée sur le web. On vous présente l'histoire de cette dame-ci, Lydia Caranza, qui en 2010 aurait survécu à une attaque par c'est pour ça que j'ai reçu des commentaires. En fait, des fragments de balles se seraient arrêtés à 10 mètres de son cœur seulement, grâce à ses implants qui auraient absorbé une partie du choc. Résultat, son chirurgien a dit qu'elle était extrêmement chanceuse d'avoir survécu à un tel événement. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, les rouges. Ouf. Bon, les gars, là, quand les Québécois, on commence avec le soir, les Français de France, je sais pas. Moi, j'ai déjà...
Non, mais pas. Donc, moi, je dis défi que t'as pas mon skin, c'est un skin vert. Oui, on va voir le dire. Ah ouais. Les gars, on a déjà fait top 1 en faisant un défi top 1 mission. J'ai déjà fait top 1 en faisant un défi top 1. Canapèche. Ouais, mais Canapèche, c'était avec Nathan. Mais c'était pas avec moi. C'est lui, mon petit. Ah oh, putain, je suis en pleine game, je suis en pleine vidéo en plus. Je m'en fous. Non, je peux pas. Toi, t'as trouvé. Yes! Yes, yes, man! Yes, yes! Yes! Yes. Non, mais. Oh, j'ai un tremplin! C'est. Tu m'as volé mon cul! Des armes de prédilection de Napoléon. Yeah. Si je meurs. Ah, vous êtes obligé de tout mettre. Tout enlever vous plus bleu à ma vidéo. Question des jeux sort des sentiers. Là, on est 100% dans le bande. Ouais, c'est un peu extrême. Mais ouais, chaud. On va essayer de cuisiner ce qu'on pêche. Jean-Benoît de Moyen-Âge. Allez, allez, viens. Viens, il y a une scarpe. Nouvelle saveur. C'est la chose. Mais c'est pas grave, ton pote, t'as combien de toi, wesh. Qu'est-ce que t'attends? En plus, il y a c'est chiant, moi. Les gars, on va attendre. C'est un peu chiant. Avec des milliers de nouveaux produits chaque année, les plus grands articles de cour arrière sont ici. Comme des lanceurs, des détecteurs de mouvement synchronisés. J'ai mis un 29, il s'est remis un kit de soins. Des semences à gazon qui poussent dans les pieds. Full cool, man, full cool. Et puis tu viens te soigner. Oh non, va te tuer. Il y a un truc de... Va te tuer, il faut pas tuer. Bye bye le gazon. Des milliers de nouveaux produits chaque année. Canadian Tire, la nouveauté, c'est chez nous. Ok. Aide-moi au moins un peu de ton stuff. Mais wesh. VPN pour vous protéger contre les cybermenaces. Procurez-vous l'application dès aujourd'hui et travaillez de la maison en sécurité. NordVPN, la solution de sécurité en ligne pour votre vie publique et privée. Hé! Eh! Sans précédent. Les restaurants sont toujours là. Nous avons à cœur le bien-être de notre communauté. Bon, les gars, mais là, on fait le vrai droit de mission challenge. Les gars, à cause de, on n'avait pas. Moi, à cause de là, ça me fait chier là. T'as fait 3 kills. Ouais, puis non, tu m'as volé, ça fait chier. Hein. Ensemble, on va vivre, on va comprendre. Les gars, cet été, je vais faire des vidéos dehors, au skatepark, peut-être. Si mon père veut me filmer, bien sûr. Ah, oh, papa. C'est ça, si. Ouais, je veux. Arrête de faire la danse de jeu devant ma face. Il y a le skin! Faites attention de on s'appelle ce soir! J'allais faire le... Les gars, j'allais faire la danse, on s'appelle. Non, mais moi, on fait. Hey, là, en plus, il y a beaucoup de boîtes de munitions. Les gars, en fait, demain, je suis chez mon père. Puis mon père, il va peut-être me filmer. Ouais, c'est full pas cool! À cause de. Je vais être un. Avec mon mini basic, ça. Oh ouais, un mini basic. Mon premier basic que j'ai eu. Arrête de parler un peu.
Pinterest. Ok, là on va essayer de trouver des munitions. Mais Gab, il faut que tu ailles à des places où il y a des boîtes de munitions. Oh, mais ça. Ouais, Iron Hippos, pour moi, c'est un peu facile. Champion qui repartira avec le iPad et le logiciel Antidote 9. Les gars, on doit essayer. Ouais, si tu mens, hein, moi. Nous avons effectivement un canon en studio, Stéphane. Il s'agit de ce canon miniature. On dirait un jouet, mais il n'a rien d'anodin. Et justement, dans un instant, nous allons l'utiliser pour propulser une petite bille de métal, juste ici, que Roberta vient de placer devant le canon, en direction de ce bocal rempli d'eau. Notre question, que va-t-il se produire alors? Est-ce que le bol sera déplacé sous la force de l'impact? Est-ce que le projectile va rebondir tu sur le paroi du bol? Tu sais que je suis obligé de jouer pistolet, pistolet et snipe. Équipe, bonne réflexion. C'est ça, mais c'est ça. J'ai pogné pistolet et snipe. Il va rebondir sur la paroi, est-ce qu'il va le faire éclater? Vous avez un petit bouton, vous allez écrire votre réponse dessus. Vous avez quelques j'ai secondes pas pour eu réfléchir. Ah, lui, il y en a un. Vous avez de votre choix, celle que vous voyez la bonne réponse. Allez-y maintenant. Gars, je peux. Je m'en viens même si je suis au pistolet. Oh non, putain. Bon, les gars, je pense que je vais crever là à cause de ce pistolet. À part si. J'ai besoin de votre réponse. Vous me montrez ça maintenant, s'il vous plaît. Alors, on a C du côté des bleus, on a B du côté des roses. Il est dans l'eau, là. Il est dans l'eau, là. Que l'équipe a la bonne réponse et gagnera sa mise. Tout est en place pour le test. Voyons voir ce que ça donne. Mais c'était presque impossible. Bon, j'avais avec un pistolet puis arc. Le bocal a explosé. Les bleus ont la bonne réponse. C'est une explosion en règle. En fait, il voit de la lumière sur ça. Les bleus ont la bonne réponse, les roses ont la mauvaise réponse. Mon Dieu! En fait, c'était nul. Et avant qu'on dévoile les mises, Martin, on aimerait comprendre le phénomène, surtout les rouges. Eh bien, notre canon miniature fonctionne exactement comme un canon de taille normale. Là encore, il faut on être push-pull, pistolet. Très bien. Si je peux le pistolet, là, au moins je suis capable de faire un seul kill là, contre des mecs pourris. Mais contre des mecs pas pourris, là, je suis pas capable de faire un kill. Ah, Mané, oui, mais quoi. Le canon qu'on voit ici, ce canal s'appelle la lumière du canon. Une fois que la poudre est enflammée, il y a beaucoup de gaz qui est produit et on veut que ce gaz pousse avec force sur le projectile pour l'expulser hors du canon. Donc, on veut que notre canon soit très résistant, qu'il soit solide, parce qu'on veut que l'augmentation soudaine de pression à l'intérieur ne serve qu'à pousser le projectile, pas à faire exploser le canon, bien entendu. Une fois que le projectile est lancé avec force, avec grande vitesse hors du canon, on s'appelle ce soir. Exercé. On s'appelle. Donc forcément sa portée est t'as plus moins de là d'abord, je suis obligé d'aller. Oh look, là il y a pas beaucoup de monde. Les armes à feu modernes sont plutôt rugueux. Ainsi, dans notre canon, les gars, on va aller à une ville tranquille s'il y a des mecs, on n'a pas très chance. S'il avait pu tourner sur lui-même, son vol aurait été plus stable. Donc, on serait supposé être capable modernes. Finalement, de faire au moins que ce que nous avons ok, qu'est-ce que nous même en gab une petite bille, un gab. Et non pas un ok, on attend quoi comme les projectiles que nous utilisons. Ah, on serait supposé faire au moins un kill. Résultat, grâce à toutes ces raisons-là, ben, notre petit canon a une portée plutôt limitée, une portée d'environ 90 mètres. Il y en a un tantôt qui avait ma danse pour le notre canon fait rapidement de son hey, si je suis chanceux, je peux une pompe et snipe en plus. À côté, il y a un snipe. Parcourir une distance d'un kilomètre et demi. On ne parle pas du tout de la même chose.
Malgré tout, regarde, regarde, pourquoi t'es pas venu? Moi, il y a un million de mecs, hein. Les dommages qu'il peut causer à courte distance, et on va le prouver à nouveau. Ah, ouais, t'as mis une place. T'as mis une place. Hier, j'ai pogné air et pistolet. Ah, ok, pistolet. Direct, en plus, direct, mon coach, t'as essayé de me dire, j'ai pogné quoi? Quelle avait? Alors, on a eu une bonne réponse du côté des bleus. On avait déjà. J'ai pogné un Oscar. Qu'est-ce qu'on a misé? 50 points, un total de 170 points pour terminer la semaine. J'ai une petite athlète, j'ai un beau sniper. Rien d'autre. Vous aviez 110 points. Oh, mais gars, est-ce que tu pensais y venir au moins? 100 points! 10 points de pointage. Si tu peux pas se lier en tout. Ça me fait chier, moi. J'ai du cœur là, si je suis trop fort. C'est ta faute. Ouais, puis est-ce que tu peux essayer de venir? Allez, viens! Essaye de venir avec ton mec. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Merci à ceux qui ont joué à cette invitation géniale en direct. Si vous n'avez pas fait, je vous invite à la télécharger tout à fait gratuitement. Puis on y va dans une semaine prochaine pour une autre semaine géniale. Au revoir, bon week-end. Mais tu viens me chercher, puis on va direct dans une. Il faut être gentil quand même pour avoir le plus gros escape. Bon, est-ce que je peux venir vite? Moi, je ne vais pas rester campé tout au long. Non, mais est-ce que tu peux t'aimer? Viens me chercher avec l'hélico, puis on part direct dans l'eau. Je suis pas gars, il y avait des bugs. Comment on vient de passer plusieurs semaines en dedans? Oui. Les mecs, je pense qu'ils sont barrés. Hein. Est-ce que t'as eu de la chance? Pourquoi? Non. Mais t'as pu? Il y a personne, hein, je pense. T'as plus de PV de moi, hein, je pense. Regarde, t'as un peu moins de PV de moi. Regarde, je vais aller pas. Complètement noir avant. C'est juste depuis qu'il manque d'air qu'il a commencé à blanchir de même. You, ton mec. Qui a été créé en Australie. Ils sont génétiquement programmés pour chasser le kangourou. Oh, dommage, un pont. Assez dommage. Ah si, j'ai une PM, j'ai tout de chance. S'il vous plaît, une PM. Direct la fin du puzzle. Bon, j'ai la meilleure stuff que je peux avoir. Une scarlet, puis ouais, c'est ça. Ouais. Okay.
T'as pu me montrer, hein? Viens. Aujourd'hui, je comprends pas, mais j'ai autant de chance de ça. Hein. Ça manque juste du talent. Oh, je vois. Je pourrais pas te pêcher des. Voir si je peux. Je pourrais t'attraper des poissons. Tu t'en permets de pêche. Tu l'as acheté par là, papa? Si il y en a deux, moi je m'en mets un. Un poisson épique. La partie la plus épuisante de cette course-là, c'est de nager pour attraper. Gab, il y a un coffre là-bas. Gab, je vais aller chercher l'hélico pour te. Ok, je vais venir te chercher après. Il a perdu sa médaille d'or pour cause de dopage chimique. Gab, est où l'hélico? Fantasio, il y a un lama, puis en plus, eux autres, c'est des joueurs. Ils ont pas vu le lama. Gab, non, tu peux pas me soigner avant le lama. Oh, tu me donneras des construits au pire après. Ah, Gab, je vais voir si. Je vais voir s'il y a un lama pour. Gab, va vers. Non, Gab, ouais, va vers là. Gab, il y a un lama. Gab, il est là, le lama. Gab, recule, derrière toi. Mais vous ratez tout un lama. Gab, tu me donneras des construits si tu restes en vie, bien sûr. Mais c'est. Je comprends pas, mais c'est tout le temps cette place-là qu'il y a un lama. Prends le tremplin pour aller me soigner, Gab. Avant 8 heures, ok. C'est un jeu. Après 8 heures, c'est une trappe. Vaut le truc de soigner. Puis Gab, tu me donneras un peu de construit si tu peux. Tu me donneras ton aiguille. La question qu'on se pose en ce moment, c'est à quoi ressemble. Peux-tu me donner ton agrin avec un peu de balle? Mais en plus, ça tombe bien, Oh, merci. J'ai un pistolet, puis une arme. C'est tellement rough vivre sans pompe. Oh. Oh, je vais prendre des grenades, là. Oh, ça fait partie d'un pistolet, hein! Yeah. J'ai une arme cheatée. Ça augmente aussi l'inflammation de tes articulations en général. Ouais, mais t'as peu, je t'en. T'arrêtes après ça. Regarde, t'arrêtes-tu bientôt, toi? Hey, je me prends une nerf. Je me prends une nerf en bleu. Oh non, pas une nerf. J'aurais pu emmener une arme en épique, mais quoi? Moi, je commence à aller dans le zone.
sur l'assurance. Moi aussi, pourquoi? C'est quoi ton truc? La chaîne a cassé. Bonjour. Regarde, j'ai même pas de soin. C'est la S pour aller dans une. Les chiens pour ressortir le meilleur. Pédigris fait ressortir le meilleur des chiens. Ah, hey, mais Gab, la zone, elle va pas t'en vite, toi. On est né d'une grande idée. L'idée qu'en mettant nos forces en commun, on pourrait aider nos communautés à prospérer au-delà de l'argent. Aujourd'hui, plus que jamais. Des balles de pistolet, tu m'en donneras, toi, tu peux pas avoir de pistolet. Comme dans les grands, la force du collectif se manifeste. Ouais, tu peux-tu mettre toutes mes données, vu de. T'as pas le droit? Agir avec audace. Ouais. Enrichir avec les personnes. Ça se fait ensemble. Quoi? Le fonds du grand mouvement, c'est 150 millions de dollars pour des projets innovants qui vont nous aider à façonner ensemble l'avenir de nos communautés et de nos régions. Parce qu'en unissant. Eh, mais t'as peu en fait. On pourrait. En plus, j'ai une petite encore. Hein? Ah, oh, ben en fait, les PM, ça fait la place d'un pont, quoi. Ils ont tous raté les coffres, hein. Ils ont raté les coffres en bas. Hein. T'as encore 300 bois. Hein. Non, mais tu m'en as donné 300, t'en avais 600. Oui, t'en avais 600. Je t'ai vu. Les restaurants ont toujours été là pour vous. Les tables sont en vide en ce moment. Je suis pas ouf en PV, hein. Oui, les salles à manger sont fermées. Mais les cuisines sont prêtes à prendre les commandes. On se souvient tous de Reggie Dunlop, Ned Braden ou Tim McCracken. Oh non, c'est Didi. Oh putain, c'est Didi. On s'est fait tuer par qui? Ouais. C'est Didi. Ah, c'est sûr de c'est Didi. Plus qu'il y avait 10 cartes dans ma face. C'est trop cool. En plus, moi aussi. J'aurais pu utiliser le snipe. J'aurais avoir donné un qu'à cause de tout le stuff que je suis. Quoi? Non, mais moi. Il est 7h40. J'aurais le PM. Hey. Zach. Avant que je dorme dans ton lit. Tu dors pas dans mon lit, tu passes toute la fin de semaine avec moi, regarde, puis avant de faire chier. Eh non, excuse-moi, je dors dans ton lit. Hein. Non. Oui! Pas à soir. Oui, tu m'as dit. Eh là, regarde, tu restes avec moi, là, regarde, c'est pas pareil. Là. C'est pas pareil. Là, j'ai plus ma fin de semaine à moi. Là. Enfin ça, papa, je suis supposé tomber dans ton lit. Hier, tu m'as. Ben, puis c'est pas grave. Hier, tu m'as le premier. Je te laisse pas de partir chez maman demain aussi. Bon sang. Oh merci. Ça vient, tu vas pas chez maman, mais tu vas dans ton lit. Ah! Hey, go, t'as-tu vu Martin aller chez maman? Papa. Fais ça, il fait plus froid dans ta chambre. Non, mais je tombe dans ton lit. Non, arrête. Ah! T'es en face où je dors. Tu vas dormir vu de. Tu m'as jamais dit puis, oui dans ta semaine. Tu vas être avec moi pareil. Blablabla. Si tu me dis oui. Regarde. Merci de m'avoir dit oui. Merci de me dire oui pour que je t'entends pour lui. Vous êtes bien mieux de lui donner plus de temps pour jouer ça. Non. Ah les gars, je vous avais oublié de jeter en vidéo. Oui. Bon. Les gars. Bon les gars,
on va faire une dernière partie après j'arrête ma vidéo, puis demain. Demain soir, je vais faire une vidéo sur, sur mon petit basique. C'est moyen comme explication à son boss. Wesh, c'est quoi ces trucs? Ils sont en train de s'assassiner, wesh. Ah, mais moi, je suis un défi, hein, que prendre la couleur gris. Si la cérémonie était à refaire, les mariés remplaceraient probablement... Un pont, je dois prendre tout à part. À part les couleurs vert, LED. Gab, tu t'en rappelles, on n'a pas droit à l'Alaska. Parce que, une couleur gris, le défi. Parce que je veux faire un défi pour un couleur. Oh, on peut couleur LED et puis vert. Okay. À cause du LED. Vous aussi, bah, on a eu la première arme pareil. Les gars, bonjour. Les gars, si vous. Puis tu dors dans ton lit. T'as envie de naiser. Parce que. J'ai jamais dormi dans ton lit. Parce que tu vas pas juste la fin de semaine, ça fait gagner. Blablabla. Mais en fait, on a le droit de crier. Je fais un défi, non. Défi quoi? Bah, en faisant ça, j'ai droit à toutes les armes, j'ai pogné une grosse boîte de munitions. Tout de même, on dirait que le saut coupé, mais sa douleur n'est pas du tout au niveau des poumons. Glitchon, glitchon, and boot! And boot! C'est fini! J'arrête pareil, là. Mais qu'est-ce que c'est pas tout ça? Arrête la vidéo, moi. Allez, les gars, mon pote va venir sûrement me sauver, j'espère, au moins. Lui, il a pogné une scar comme d'hab. Hein. Hey, mais gars, on n'a pas dit un couleur épique, hein. Bah, de façon, il y a un bot en le mec. J'ai mis plein de têtes. Ah non, gauche le pot, c'est un. Oh, pourquoi tu as tiré dessus s'il y a un bot? Lui, c'est un grand romantique. Ah, tu peux-tu venir me soigner? Peux-tu me donner un pompe? Allez, un pompe! Oui, je veux. On veut le niquer! Hein? Mais wesh, encore lui! Son arbre généalogique. Veut tu vois-tu, il y a un bot? Oui. Moi, je vois que je t'achète. Les gars, on va finir la vidéo. Donc, toi, toi. Oh, arrête-toi. J'espère que vous allez vous abonner. Team, ciao. Né, né, né.